Salut à tous, c'est Julien du Dimanche en Musique, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Allez c'est parti, on lance le générique. Une fois n'est pas coutume, nous allons donc débriefer les indices. Pour le titre de la chanson, vous aviez une image représentant un beau ciel étoilé de nuit. Alors non, ce n'était pas Plus près des étoiles de Gold. Il s'agissait d'un autre titre des années 80. C'est Nuit magique. Donc ça, c'était pour le titre de la chanson. Et pour deviner le nom de l'artiste, alors là, il y avait un petit piège. Il y avait juste une image avec un violon. Il s'agit d'une artiste, d'une femme. Qui est aussi connue pour être chanteuse que pour être violoniste. Il s'agit donc de Catherine Lara. Voilà, donc c'est Nuit magique de Catherine Lara que je vais vous reprendre aujourd'hui. C'est cadeau. Nuit magique, c'est parti. Et c'est maintenant. Ok, il n'y avait rien à faire, ok, dans cette ville étrangère, ok, tu étais solitaire, ok, j'avais le cœur à l'envers, ok, tout ça n'était qu'un jeu, ok. On jouait avec le feu, ok. On s'est pris au sérieux, ok. Le rire au fond des yeux, nuit magique. Une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire. D'un regard, histoire d'un soir, nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous, nuit magique, nuit de hasard, on se sépare sans trop y croire. Ok, c'est une histoire de peau, ok. On repart à zéro, ok. On oublie aussitôt, ok. Qu'on s'est courbé le dos. Nuit magique. Histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de. Sans trop y croire. Ok. Alors, cette vidéo t'a plu? Dans ce cas-là, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux également activer la petite cloche juste à côté pour ne rien louper. Tu peux également nous retrouver sur le groupe Facebook du Dimanche en Musique. Tu peux liker, commenter, partager et tu peux également inviter tes amis, ta famille et tes proches. Tu peux également retrouver toute mon actualité sur le www.julienturpin.fr et on se retrouve très très vite. À bientôt !